Monster Energy Supercross. Et salut les amis, c'est Farming Savoyard. Comment allez-vous? On se retrouve pour la suite des aventures du blond sur Monster Energy Supercross. On est toujours avec la moto de merde, mais j'ai simplement modifié le sponsor. J'ai mis GoPro, ça allait bien avec ma tenue bleue UFO. Et bien on continue, on se lance, hein, on va accéder à la course. On est à Rutherford MetLife Stadium. On va tâcher de faire aussi bien, entre guillemets, que les fois précédentes. On va voir ce que ça peut donner. On a vu que malgré une moto de merde, on était quand même... dans le timing, on n'était pas si mal que ça. On va voir ce que ça va donner. Et on va se lancer. Alors je sais pas si on va attaquer. Oula merde, on est sous la pluie. Aïe 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 aïe. On sait qu'on n'est pas très très bon sous la pluie. On va tout bouillir, on va être plein de boue, mais je crois qu'ils se salissent pas les bonhommes. Hein. Alors écoute l'autre bablé. Ok, bon bah écoutez, on va se lancer. De toute façon, on n'a pas trop le choix. On va simplement appliquer les réglages habituels. Hop, on se met le moyen. Et on va se lancer. Allez, let's go. Et on va voir, avec la pluie ça peut être assez drôle. Bon, alors de toute façon comme d'habitude. Départ de merde, ça vous avez l'habitude. Hop, on va simplement essayer de passer à l'intérieur. Hop, hop, on essaye de se faufiler tout de suite, de pas perdre trop de terrain par rapport au premier. Le circuit est plutôt pas mal, le temps que hop là, que je me le remette en tête. Hop, on essaye de rester à l'intérieur, c'est bon, la petite série de whoops. On baisse les fesses sur la selle. Ah oui, c'est celui où il y a le virage, le long virage sur le côté là. Hop là. Pas terrible ça. Allez, on va essayer d'accrocher le wagon des trois premiers. Ouh, on a pris une trajectoire complètement différente de nos adversaires. Là, on est trop court pour la triple. Oula, attention les bottes de paille. Donc, on est sur les crêtes des bosses. On devrait avoir... Donc merci à tous ceux, donc le patou, et je sais plus qui c'est qui m'avait dit, donc la course est dite 10 minutes plus 2 tours, oh là là, putain les cours là, mon dieu, donc 10 minutes plus 2 tours, voilà, comme ça au moins on est fixé, c'est assez simple. Merci à vous messieurs, les professeurs, hop là on est pas mal, on va prendre un maximum d'élan ici, voilà, pour être sur la table, avaler le deuxième, voilà, on est bien. On prend les trajectoires extérieures. Giancarlo. Qui est souvent aux avant-postes. Hein, on a pu le remarquer dans les précédentes courses là. On n'est plus forcément avec Osborne et je sais plus trop qui là. Ah, par contre là, on est trop long. Il faudrait prendre un petit peu plus court. Et là on est trop court. Voilà, un coup on est trop loin, un coup on est trop court. C'est madame qui va être contente. Ou pas. Voilà, voilà. Ah, presque. Oh putain, il m'envoie le... Mais qu'est-ce qu'il fait? T'as des fois avec les sticks. En essayant de se placer, il envoie le scrub, ce fou. Là où il faut. Là j'aurais bien aimé... Non, ça va être un peu short. Là, à mon avis, on manque un peu de patate. Avec le 2,5, non préparé. Bien sûr, je te le rappelle. Hein, donc les motos non préparées, full stock. Putain, qu'est-ce qu'il fait? Ouh, je lui ai mis la roue arrière sur la tête. Allez, on attrape la tête. Là il suffira de la garder si possible sans se mettre de boîte. Pour l'instant on a un pilotage assez propre. Là c'est pas évident ce virage là, tout en appui, surtout avec la pluie. Mais je comprends pas, on est dans un stadium et on est à... Ah ouais, y a pas de toit. Regardez, vous pouvez le constater, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de couverture, pas de chat, il pleut. Je sais pas exactement où est-ce qu'on était dans la ville. J'ai l'habitude, il y a le nom de la ville. Est-ce que Rutenfeld ou je sais pas quoi est un nom de bled? J'en sais rien du tout. Ça me dit rien, je connais pas. Je connais pas du tout les États-Unis de toute façon. À part les grandes villes comme tout le monde, bien évidemment. Hein. On est quand même pas des débiles. Non, de toute façon on n'y arrivera pas. Allez, on est bon. Donc... On m'avait indiqué aussi, et on peut le regarder effectivement au niveau du temps. Regardez, il reste 6 minutes 41. Ah là, j'ai dit qu'on roule bien, on fait pas de merde. Je regarde les indications et c'est le bordel directement.
Allez, là on est bien, on est bien, on est bien. Donc série qui plaît à une petite partie d'entre vous. Voilà, on a une petite partie à se faire plaisir. Alors en tout cas, moi perso à y jouer et vous à y regarder. Ça fait en moyenne voilà, entre 1500... Bon, entre 1300 et 1800 vues, ça dépend avec le temps. C'est des vidéos, une série qui prendra un petit peu des vues, mais... Voilà, écoute, on a une série avec... Alors ça, c'est des bugs de caméra, là, quand il y en a rien. Mais arrête de me balancer le scrum ici, mais il est con à chaque fois. C'est une série qui a son petit public. Écoutez, moi, je prends plaisir à y jouer. Je vous ai déjà expliqué le principe. Je fais pas les séries pour les vues, hein, spécialement. Si je veux faire des vues, je fais... comme tous mes collègues spécialisés dans le farming, moi je suis sûr de faire 5000 vues minimum et bien plus parfois. Voilà, moi il n'y a pas de, c'est pas ce que je recherche. Voilà, j'essaie de diversifier. Putain, non, allez, oh là là, ce massacre. Alors là, c'est par contre, c'est de la merde. Voilà, en plus, donc qu'est-ce qu'on est là? Oh putain, ce boulot, et en plus, on reprend là où on n'a pas bien d'élan. Bon, on va essayer de rester concentré comme d'habitude. Le début de la course se passe plutôt bien. Après, soit eux deviennent bons, soit moi je deviens mauvais. J'opte plutôt pour la deuxième solution. Je parle à déconcentration. Et puis c'est fait, ils se sont fait la malle. Hein. Ça va être chaud de les rattraper. Ça va être chaud de les reprendre maintenant. Allez, on est derrière Dylan Ferrandis. C'est déjà le premier objectif pour la troisième marche du podium. C'est pas possible, mais quel boulet. Oh là 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 là. Voilà, allez, on essaie d'avaler tout ça, doucement, justement, doucement. Oh là là, allez, bordel. Faire encore un peu de temps. Bon, bah, je crois que ça va être réglé pour la première place. Je pense que c'est fait, on n'en parlera plus. Bon, vidéo du matin, vous l'aurez compris au niveau de vos oreilles. Toujours la voix un peu plus prise le matin, avec ces conneries d'allergie, là. Putain, ça me fait chier, ça. On n'arrive pas à s'en sortir. Les yeux, les rhinites, tout ce qui va bien. Allez, ils sont en train de se batailler à la limite pour la première place. Ils vont peut-être se faire ralentir les uns les autres. Allez, donc on essaye de se concentrer. Le 1 et le 2, ouais, ils sont ensemble. Là, ils sont juste là. Ah, ils sont juste là, ils sont juste là-bas. Mais arrête ! Putain, à chaque fois, c'est le même bazar. Je veux absolument pas faire de scrum, mais vu que je manie les deux sticks pour diriger la moto et pour manier la position du bonhomme, ça me faisait jamais ça avant. Et là, depuis 2-3 courses, je me fais chier avec ça à chaque fois. Oula, oh là 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 là, ça devient catastrophique. Finalement, je suis pas monté très haut, j'ai peut-être gagné un peu de temps. Et là, je vais sortir complet. Voilà, très très bien. Course de merde. Oh, putain, je vais me le prendre sur le museau. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là. Regardez-moi ce massacre. Mais je suis où là? Ah, j'ai pas bien compris. J'étais, il me semble, dans l'autre sens. Bon, bref, on va pas chercher. Résultat des courses, ce que je sais, c'est que je suis 7ème. C'est bien. Allez, on continue. Ah là, de toute façon, ça ne pardonne pas l'erreur. Oh, bah, les autres sont loin, très très loin maintenant. Ça ne pardonne pas l'erreur avec une moto non préparée. Je ne pourrais pas revenir, ça c'est sûr. Maintenant, on va simplement pouvoir... Putain, ces caméras là. Ça fait presque sursauter. Là, je vais me faire déboîter, incroyable. Incroyable, mais vrai. Incroyable mais vrai. Allez, j'en ai 3 devant là pour reprendre. Je sais pas à quelle place d'ailleurs. Est-ce que je suis où là exactement? 7ème, on est d'accord. Là j'avais perdu le classement. Allez, on a Craig là. On l'attaque dans le virage. Allez, lui c'est bon aussi. Zach Osborne devant. On essaie de choper au whoops. Allez, on a attrapé au whoops, on reprend la 4ème place, c'est déjà pas mal. Les autres sont trop loin, on est trop large. Zach Osborne reprend l'intérieur. Là, on va être légèrement trop court. Ils ont la moto, je pense, un petit peu préparée. Ils sont un petit peu plus longs. Allez, 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 on essaye d'accrocher. Là, c'est pareil, Craig est un petit peu plus long que moi, il est mieux passé. Si en plus, ils me font chier dans les bosses, là. Allez, hop, on est bon, on est bon, on est bon.
Là on prend large, qu'est-ce qu'il nous reste, 1 minute 30, bon maintenant que je sais regarder, on sait à peu près où, on va en être, là. Oh là, c'est un truc de fou ça. IRL, je pense que là vous cassez les bras, vous cassez les jambes, un truc de ouf. T'as quand il passe la, je sais pas quoi, c'est la quatrième, je pense, la troisième. Oh, il y a un espèce de trou dans le moulin là, incroyable. Là, c'est la troisième là qui est molle comme une chic. Pas de reprise du tout. Le deuxième c'est bien, mais la troisième, il y a personne. Bon bah ça sera une quatrième place je pense hein. Bah, vous me direz hein, qu'on peut finir. Les boulettes peuvent encore arriver de ma part, c'est pas un souci ça. Ça peut arriver à tous les tours. Allez on essaye de... là c'est pas la peine. On s'en sortira pas. Ça ne passera pas. Vous ne passerez pas. Bande de fous. Voilà, petite référence. Marquez dans les commentaires si vous savez de quel film je parle. Film, allez, je vous aide un petit peu, fantastique, et encore, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'aide. Allez, ils sont pas très très loin, mais on pourra pas revenir, ouais. Je pense qu'on pourra pas revenir, à moins de qu'ils fassent une erreur, une grossière erreur, ils sont tout juste là, hein. Ils sont pas très très loin, mais non, ça va être un peu chaud. Il manquera 5 minutes. Il me faut les courses finalement de 15 minutes, s'il vous plaît, monsieur, dame. On a l'air d'avoir posé un petit peu. Quoi poser derrière une seconde 7. C'est pas réellement posé. Surtout en plus si je fais de la merde. Je fais de la merde, c'est le tour final, voilà, c'est indiqué. Bah voilà, il suffisait de regarder mon chrono quand je disais je sais pas où j'en suis, je sais pas où j'en suis. Il y a beaucoup d'indications, c'est vrai que j'avais jamais fait gaffe. Je regardais plutôt à droite, moi en fait. Oh, avec un peu de chat, on revient sur eux là, dans le tour final. C'est la partie oups où j'ai l'impression que je reprends pas mal de terrain. Allez mon cono, ils sont juste devant, Giancarlo là et l'ami je sais pas qui. Giancarlo, j'arrive pas à voir son nom. Ah non, par contre ça c'est pas terrible, Giancarlo juste là. Ah Zobi, manquait pas grand chose. Manquait un tour et je revenais dans les troisièmes. Allez, bah écoutez, ça s'est pas trop mal déroulé, on est quand même quatrième. La pluie, c'est pas ma tasse de thé, vous le savez très bien. Allez, on enchaîne. Ouais, c'est pas grave. 190, non, on a presque 50 points d'avance. On s'en fout, on va enchaîner tout de suite la deuxième. On est niveau 102. Donc je ne joue pas du tout en dehors de... Allez, on est à Las Vegas, avec un peu de chat, il fait beau. Ça serait plutôt pas mal qu'il fasse beau. Je préfère, moi, quand il fait nuit et quand il fait sec. J'ai la goutte à l'œil, je chouine. Pourtant, je ne suis pas sur The Hunter, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ouais, blablabla. Et là, celle-ci, on va se la faire comme d'habitude en vue guidon pour la deuxième. Hop, on fait le réglage. Et on départ, voilà. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est celle avec le gros retour. Allez, c'est parti. Husqvarna Power, j'ai sorti ma tondeuse. Attention, ça freine fort. On est à l'intérieur de la meute. Hop, ah oui, c'est celui où il y a cette grande série de boss là. Et puis après, une grande ligne droite. Alors peut-être on va être. Voilà, parti comme une flèche. C'est peut-être un petit peu limité en vitesse de pointe. On en a à l'intérieur. Gros jump, on va sortir ici. Super. Alors par contre, on va arriver sans vitesse là. Alors, il faut rester à l'intérieur des bottes, hein, mais bon, ça va le faire. Allez, on est parti. 67-68 miles à l'heure. Celui-ci, c'est assez impressionnant, là, la vitesse qu'on prend. Et encore, on en prend un peu plus en 450 ou en 250 préparé, bien sûr. Vous l'aurez compris. Là, il faut rester à l'intérieur. Hop, ça frottille, ça frottouille. Salut mon gars, il fait du scrub complètement à côté de nous. Il est fou, cet afflelou.
Allez, on est reparti. Petite série de whoops. Une autre petite série de whoops, tranquille. Grand virage. Et après, il y a un gros freinage là-bas pour aller sur la droite, remonter sur cette... remonter sur la ligne d'arrivée. Mais avant tout, il y a ce petit machin là. Ça, j'adore ces trucs là. Ça casse complètement le rythme. J'ai toujours pas préparé mon circuit. Bon, vraiment, je manque de temps pour tout de toute façon. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Là, on est passé comme une flèche. On va rester à l'extérieur. Et on attaque cette série là. Et si vous êtes à contre-temps, comme je le suis là à peu près. Non, ça va, c'est à peu près bon. Et ben, c'est la catastrophe. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. J'ai touché la touche. J'ai trouvé la touche pour regarder derrière. Incroyable. Et cette fois-ci, on va essayer de rester à l'intérieur du circuit. Ça pourrait être pas mal. Et c'est parti. Go, 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 Las Vegas. Oh là, la vitesse qu'on prend là. En guidant, ça le fait encore mieux. Alors par contre là je me suis chié dans la colle comme on dit, non, quoique finalement. C'est celui-là qu'il faut pas arriver trop fort. Sinon vous allez droit à l'extérieur et ça vous fait perdre, bien évidemment, vous l'aurez compris, un maximum de temps. Là on est parfait. On va rester hop sur la trajectoire extérieure, mais on était quand même un petit peu mou. Ils sont juste derrière, hein. Bon, de toute façon, comme d'habitude, au début, ça se passe bien. Au milieu, il y a un creux. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Et à la fin, j'essaie de revenir, mais c'est trop tard. Allez, on passe d'une table à une autre table à une autre table. Là, on est pas mal. On passe du côté droit au côté gauche de la piste. Allez, on est bon, on est bon, on est bon, on continue. 6 minutes 50 de course. Avec une moto préparée, là, vous allez vous passer tout simplement à fond dans le virage. Il n'y a même pas besoin de décélérer. Là, il manque un peu de stabilité au niveau de la moto. Les réglages aident quand même. Hein, les réglages que j'effectue, hein, c'est pas des réglages dans le vent. Hein, c'est des réglages qui ont été travaillés et retravaillés. Enfin, après, c'est des réglages qui me conviennent à moi aussi. Hein. C'est toujours pareil parce que les réglages que j'applique rendent la moto quand même déjà à la base aussi plus instable. Donc il faut quand même faire gaffe, voilà. Après les réglages c'est comme les setups hein, sur du sim racing. C'est vraiment propre à chacun, on n'a pas tous le même style de pilotage. Donc de ce fait, le réglage de l'un n'est pas forcément adapté à l'autre. Alors si vous voulez regarder quel réglage j'utilise, bah, vous remontez un petit peu dans les vidéos hein, tout simplement. Voilà. À l'époque, je les enregistrais pas, donc je les faisais à chaque fois, comme un teubé. Donc maintenant, ils sont enregistrés, il n'y a plus qu'à appuyer sur la touche. Le réglage court, le réglage moyen. Bon, le réglage court, finalement, je l'applique rarement, parce que bah, si vous mettez en plus encore une boîte courte sur une moto qui a pas de patate, on va pas avancer. Donc ça sert pas à grand-chose. Et ça s'applique aussi bien sur du 2,5 que sur du 4,5, j'ai pu le constater. Oh là, par contre, je suis nickel, là. Impeccable, un peu court, par contre, non. Oh, magnifique! Magnifique, c'était parfait. Première fois je pense que je passe aussi bien. On va essayer de passer à l'extérieur, accélérer à fond. Et on enchaîne, on envoie, on s'envole à Las Vegas. Allez, 5 minutes de course. Alors c'est peut-être 10 minutes de course plus un tour les gars. Parce que je m'étais marqué final lap. Au moment que j'ai mal lu vos commentaires. Bref, on s'en fout, c'est pas très grave. Merci à vous de m'avoir donné l'info. On est chaud là, on est pas bon. On ne disait même pas qu'on est chaud, c'est même qu'on n'est pas bon. Il reste, il a eu plu il y a quelques temps, oui, il y a encore des petites flaques d'eau par endroit. Allez, là on est bon, tranquillou, on envoie. Oui, ma chérie, vas-y, allez, t'excite pas. Comment on est derrière? Ils sont toujours à peu près pareil. Hein. Je n'ai pas l'indication temps, mais en tout cas, ça a l'air d'être à peu près toujours pareil. Hop, on va pas trop accélérer. Là, vous voyez, hop, je tombe dans une espèce de flaque d'eau. Par contre, là, on n'est pas sur les tables. C'est la merde. C'est pas grave, on s'en sort quand même. Ça se passe pas trop mal. Là, par contre, on va refaire comme tout à l'heure, si on le peut. Hop, là, on est bien un peu court sur celle-là. Ça va, on passera l'avant-dernière et la dernière, eh bien, c'est bon, on enchaîne, on filoche. Encore une fois, on est parti
si possible à fond. Et Excruci, on balance le scrub. Et on va s'envoler en dehors de la piste. C'est bien. Voilà, bravo. Histoire de perdre du temps. Et on a Zach Osborne. Salut Zach. Qui revient comme une flèche et qui nous double. Comme une flèche d'ailleurs. Ce serait cru sur l'autoroute. Un camion qui roule à 90 et une voiture à 130. Alors tout de suite on le reprend. C'est bien, j'aime bien faire des conneries au milieu. Oh là, gamin. C'est de me rentrer dedans. On voyait à l'ombre sur le sol, je sais pas si vous avez fait gaffe qu'il était en scrub derrière moi. Il était tout juste derrière moi, en position scrub à l'attaque tel un cobra. Le cobra Osborne. Allez, on est bon, on enchaîne, on revient. On a gardé quasiment la même avance. Là. Ah, j'arrive plus à arriver sur l'étape, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais finalement, ça se passe pas plus mal comme ça. Oh, le petit cochon. Ouh, on a frotté les calepiers. Il est où? Il est où? Il est juste là, il est juste là. Est-ce qu'il retouche le sol avant nous? Non, il le retouche après nous. Oh, enculé. Voilà, attention, attention les bottes de paille. Ouais, cette fois-ci, on va pas se crever. Oh, l'enculé. Regardez ça, là. La pilule qui me met dans la ligne droite. Incroyable. Par contre, là, je sais pas ce qu'il fait. Il chie dans la colle. Il chie de... Oh, il chie, enculé, dessus, là. Oh, dans le virage. C'est pas possible, ils deviennent meilleurs à un moment donné, parce que je pense pas ralentir moi à mon côté, mais ils deviennent meilleurs au fur et à mesure, hein, parce que là d'un seul coup là il se met à aller beaucoup plus vite que moi. Et dans les whoops. I'm the king of the whoops. Oulala, 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 nerveuse. Il est où? Il est où? Il est sur ma gauche. Oh l'enculé. Moi aussi je sais faire ça, saloperie va. Je sais même pas si on peut regarder sur les côtés en fait. Parce que c'est vrai que ça pourrait être utile de regarder sur les côtés quand on est comme ça en guidon. J'en sais rien, c'est pas le moment d'essayer de regarder ce qu'on peut faire ou qu'on peut pas faire. On est en pleine lutte avec Zach Osborne pour la première place. Cette fois-ci je me fais pas niquer, enfin en tout cas j'essaye de pas me faire niquer, c'est ça l'idée. Oula. Où c'est qu'il est? Il y en a un deuxième même qui revient là. C'est Justin Hill d'ailleurs qui est deuxième et c'est plus Zach Osborne, pardon. On entend arriver des grosses préparations derrière, hein. Pas la moteur tondeuse que je me paye moi. Allez, faut que je garde la tête là, ils reviennent à fond, à fond, à fond. On n'a pas qu'ils me double avant la ligne droite. Parce que là, normalement, je garde un peu d'avance sur eux. Allez, là on est pas mal, on continue, on garde la tête, c'est parti, on continue ici, normalement, oups, on devrait pouvoir garder notre avance, tranquillouze. Allez, là on est bien, on fait le bon virage, et on est reparti, ils sont juste derrière, ils sont un peu bloqués, là, il y a eu un... Justin Hill s'est un peu raté au redécollage, ici, on se rate pas. C'est bien, on est bon, 20 secondes. Pour finir ce tour-là, il y en aura un dernier derrière. Donc c'est l'avant-dernier tour sur le principe. Si mes calculs savants ne sont pas trop mauvais. Allez, on essaie de bien passer ici, si possible. Voilà, ici on est pas mal. Là aussi on est bien. Encore deux tours, voilà, c'est ça qu'ils disent. Donc encore deux tours, effectivement. Allez, là on est pas mal. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là-bas. Oh putain non. Ouh, c'était chaud à la reprise là, la botte de paille, ils sont un petit peu loin. Normalement ils n'auront pas le temps de revenir dans la ligne droite, ça va être pas mal. On va arriver au fond de cette ligne droite en première position. Ouh, j'ai cru que c'était mal barré là. Là je suis sur le sommet des bosses, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon c'est pas grave. Allez on enchaîne. On se formalise pas sur le pilotage, on essaye d'être efficace. Le style on oublie. Ce qu'on veut c'est franchir la ligne d'arrivée en première position. Allez là on est pas mal, on prend un bon redépart et on y va. Dérapage, je marque des points avec mon dérapage. On freine, on fait gaffe.
parce que l'arrière ne passe pas à la place de l'avant de la moto. Ça c'est parfait, on est bon, on saute, on saute, on saute, tout va bien. Voilà, on va essayer de les avaler, on essaie d'aller le moins haut possible. Voilà, là on est plutôt pas mal. C'est le tour final, ok, ça marche, allez. Encore quelques hectomètres à tenir. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Une blague? Je passe comme d'habitude là, et d'un seul coup l'autre il revient comme une flèche. Oh, le mec trop sûr de lui. Oh non, non, non. Voilà, ouf. Je suis tout seul là, il est tout seul, l'autre il est où, Justin là? Incroyable mais vrai. Zach est revenu comme une fusée. Zach est revenu comme une fusée, il m'a doublé, cet enculé. Tut. Voilà, on va biper les gros mots. Allez, c'est pas là qu'il faut se prendre les bottes de paille. Et comment il a fait pour revenir comme une flèche là? Oh là là, j'y crois pas. Ça va être chaud, ça va être chaud. Et non, et en plus je sors comme un con, je vais peut-être finir troisième. Ah putain. Wouh. C'était même presque... Et je saute carrément en dessous du truc. Où est-ce que je suis? Bonjour. Oh là là, je me suis fait pailler. Incroyable mais vrai. Je sais pas d'où il est revenu, mais bon, c'est pas très grave. Allez, on s'en fout. On a remporté le championnat. Et oui, messieurs, dames, le championnat est à nous. Regardez, j'ai la méga coupe. Championnat Est ou Ouest, je sais plus dans quel sens on l'avait fait. Bref, ça s'est plutôt pas trop mal déroulé. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Prochaine saison, voilà, donc 6 victoires, 212 points, position atteinte premier. Encore un excellent championnat exceptionnel qui se termine. Il est temps de célébrer le vainqueur. Donc, eh ben j'ai du... Non, je sais, finalement, je sais même pas lequel j'ai fait. Bon, faudra qu'on regarde. Allez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu. Vous likez la page Facebook du Savoyard et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.